Salut à tous, début du vlog, bon faites pas attention à ce qu'il y a derrière, hein. Je me suis assis où il y avait de la place parce que c'est blindé là, la gare de Bordeaux. Donc début de ce vlog, dans ce vlog qu'est-ce qu'il y aura là je pars sur l'île du 1 au 8 juillet, comme tu le sais, hein. Coaching de joueurs, du matin au soir, là je suis overbooké. Et pour faire des rencontres, pour aussi voir les abonnés hein, qui me suivent à travers la chaîne YouTube et tous les différents réseaux sociaux, ce genre de stage. Que je fais là sur Lille, j'en ai déjà fait un sur Toulouse, donc j'en referai un aussi. Je pense que la prochaine ville, ça va être soit Lyon ou soit dans le sud, je verrai. Donc voilà, et aussi dans les commentaires, dites-moi si ce style de vidéo, les vlogs, vous plaît. Là, j'attends le train. Voilà, j'attends le train. Je vais bientôt embarquer. Je vais vous filmer un peu dans le train, comment je travaille, comment je m'occupe. Je vous filmerai aussi l'hôtel dans lequel je suis, le Airbnb parce que je change entre temps. Et le terrain d'entraînement ainsi que tous les coachings et aussi un peu une visite et une balade sur l'île avec les abonnés. Bon, je vous laisse là et on se retrouve dans le train. Ciao. Premier jour de coaching sur l'île, j'ai pas pu vous filmer ce matin. Ce matin, les deux coachings que j'ai eu avec Madine et Faisal, mais ça s'est extrêmement bien passé. Donc le premier jour, je pourrais pas filmer, mais le jour 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, je filmerai tous les coachings de A à Z. Donc là, je suis logé, pour tous ceux qui connaissent l'île, je suis au niveau du quartier de la Madeleine, c'est à 700 mètres de Gare Lille Europe. Franchement, super ville, des gens super accueillants. Génial. Là, actuellement, je suis lundi soir. Je réponds aux dernières demandes de réservation qu'il y a pour le coaching sur l'île, même si ça va être un peu chaud parce que je suis full du matin jusqu'au soir en termes de coaching. Comme je vous ai dit hier dans la vidéo, dans le début du vlog, dites-moi si vous voulez que je passe dans votre ville. Et si vous voulez que je passe dans votre ville, dites-moi dans les commentaires la ville. Et après, au niveau des likes, des commentaires, je verrai dans la prochaine ville dans laquelle j'irai pour coacher des joueurs. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'à travers toute la France, il y a des joueurs qui me suivent et qui sont disponibles, qui sont à l'écoute et qui sont prêts à investir en eux. En tout cas, voilà, je tenais à tous vous remercier. Et voilà, le jour 1 va se terminer. Demain matin, rendez-vous 9h au terrain. Voilà. 9h midi, coaching. Ensuite, de 14h à 18h, coaching. Je vais vous filmer tout ça. Et je vous dis à demain. Ciao. Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier entraînement de la journée, on est lundi 2 juillet. Je vais commencer avec Madine, séance d'explosivité. Voilà, c'est d'après les tests que j'ai fait hier, il a l'explosivité à travailler, sa motricité. En termes techniques, il a des choses à peaufiner et après, il a du coffre à mettre en place hein, pour après prétendre à faire des tests, à rentrer dans des clubs professionnels. Donc, première là avec Madine, après j'aurai Faisal et après j'aurai Souleymane. Ce matin j'ai 3 heures de coaching et cet après-midi j'ai encore Madine. Je vais vous filmer toute sa séance de A à Z pour vous voir un peu comment je travaille. C'est parti. Donc là j'enchaîne avec le deuxième coaching avec Faisal. U9, t'étais où l'année dernière? Au R-Silence. Donc là voilà, c'est sa deuxième séance aujourd'hui. Il en aura une troisième vendredi à 20h. Voilà, joueur talentueux, une bonne motricité et on va travailler aujourd'hui, on va bien travailler. Et dans l'avenir, j'espère qu'on travaillera ensemble, on fait ça. Oui. Et voilà, on va filmer la séance du jour. Donc à son âge, c'est beaucoup de motricité. C'est là où les fondements se mettent en place. Beaucoup de techniques et après du cognitif avec des couleurs, des déplacements, etc. Bon allez, on attaque, t'es motivé, fais ça. Oui. Super, check. Allez. Rouge. Non. Bleu. Non. Orange. Non. Vert. Bleu, orange, yeah. Hop!
Maintenant explose, précis, précis, tac 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 tac. Ok, 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 le vert, ça part là-bas, tac tac, ok, c'est parti. Super, fais ça. Vert, allez, 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 allez. Donc là, on va attaquer le jour 3. Là c'est avec Madine, ensuite c'est avec Souleymane et l'après, mais j'en ai un. Il y a un nouveau joueur qui va venir, qui m'a envoyé un mail hier soir, voilà, pour une séance. On va travailler avec les trois. Donc Souleymane, je lui ai fait sa séance test d'hier. J'ai pu voir ses points faibles pour planifier ses 5 séances. Et là Madine, lui, il a 14 séances, donc là on est rodé, on sait ce qu'il va travailler. Et on y va à fond, entraînement matin et soir. Donc là je vais vous laisser, je vais attaquer la séance du matin. Donc ce matin j'ai 2 séances et cet après-midi j'en ai encore une. Et après c'est bon, je pourrais faire une petite sieste après-midi, je pourrais aller un peu me balader. Voilà, on attaque, ciao. Sur la zone de confort, allez, on se violence. Hop, hop, hop. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ok, 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 ok. Allez, ça va au bleu, ça va au bleu, ça va au bleu. À fond. Voilà, là on... Bam, allez, allez, allez champion. Souli, plus vite. Envoie les bras, fais les bras. Les bras, allez les bras. Génial. J'en profite pour te faire cette petite vidéo. Je te l'ai pas présenté encore, mais là c'est le club du ES Lille Ouvrière qui m'accueille. Donc j'ai les locaux, j'ai le terrain, j'ai les vestiaires pour toute cette semaine de coaching. Donc c'est génial. Là on attaque la séance de l'après-midi avec Madine. Séance de régénération, décrassage et tennis ballon et étirement. Donc voilà, je vais filmer un peu tout ça. Là je vais remplir la bouteille d'eau. Donc, tu peux voir un peu. Hein. Équipe district. Les titrés. Bon voilà. On se retrouve plus tard. Ciao. Donc deuxième séance de la matinée avec Ayoub. Ça se voit, j'ai pris un gros coup de soleil un peu sur le visage. Donc avec Madine, on a fait une séance de régénération. Tout ce qui est tennis ballon à l'ancienne avec le petit rouleau de massage ici pour récupérer. Et avant ça, elle a fait un décrassage de 15 minutes. Là je me trouve avec Ayoub, U14. Yes, aujourd'hui on va travailler finition, il vient de passer à attaquant. Finition, motricité, explosivité. Donc voilà, deuxième séance de l'après-midi. Là, on va attaquer et ensuite, ce sera fini pour moi et j'irai me reposer. Je vous laisse là et je vais vous filmer quelques passages de la séance. Ciao! Il est 18h et je viens de terminer les 3 coachings que j'avais cet après-midi. Non, les 2 coachings, pardon. Les 2 coachings que j'avais, là je suis à. Enfin, je sens l'arrêt de tram romarin, la tram qui est juste derrière. Je vais monter à l'appart, prendre une bonne douche, bien manger. Alors, je pense que je vais m'étirer aussi, je vais faire une petite sieste, je vais mettre le réveil pour 20h. Le match Angleterre. Et Angleterre. Colombie. Avant le match, je donne mes pronostics, victoire dans l'Angleterre. Après le score, je sais pas, mais je vois bien l'Angleterre passer. Après, ça se trouve, je me trompe, mais bon, je vais en Angleterre. Bon, je vous laisse, là je vais arriver dans l'appart.